Concernant l'organisation du Master 2 Métiers de la formation, Ingénierie et Conseil en formation à distance, il y a 12 jours de regroupement. Ces 12 jours de regroupement sont divisés en 4 temps. Premier regroupement de 3 jours et demi au milieu du mois de novembre. 3 jours de regroupement début février. 3 jours de regroupement en avril. Et 2 jours en juin, ce qui fait un total donc de 11 jours et demi, auquel s'ajoute une demi-journée pour la soutenance de mémoire. Ces regroupements sont obligatoires et conditionnent la réussite des étudiants de la formation. Concernant donc les évaluations de ce master, les évaluations sont des productions individuelles ou en groupe effectuées par les étudiants qui sont accompagnés pendant toute la phase de production par des tuteurs. Et ces tuteurs vont valider donc les productions. Il n'y a pas d'épreuve sur table. Chacun des travaux est cadencé tout au long de l'année. Il y a environ un travail à rendre tous les 2 mois. Donc, au cours de cette formation, il y a deux grands moments. D'abord, le stage qui représente 450 heures. Et il y a le mémoire, qui est la partie la plus souvent difficile à effectuer pour les étudiants, qui consiste pour les étudiants qui ont une expérience professionnelle à s'abstraire de leur pratique, hein, à la théoriser, et de manière plus générale pour tous les étudiants, d'être capable d'analyser une situation, donc de la théoriser pour trouver des mises en œuvre possibles. Ce travail commence dès le mois de novembre, avec l'attribution d'un directeur de mémoire universitaire et se finalise en général au mois de septembre lors de la soutenance orale du mémoire avec un tuteur universitaire et un tuteur professionnel.